Lorsqu'on évoque l'université d'Alabama, on ne peut s'empêcher de penser au Crimson Tide, avec leur majestueux Bryant Denny Stadium, ainsi qu'à ses statues à l'effigie des entraîneurs les plus mythiques ayant marqué le club. Mais c'est en parcourant le campus qu'on se rend compte qu'il y a autre chose que le football. Parlez-vous français? Eh oui! C'est dans ce bâtiment que le département de français œuvre afin d'y apporter sa French touch. Mais pourquoi étudier le français? C'est exactement ce que Chelsea, Harrison et Caroline vont nous expliquer. Non, enfin, le français, c'était le seul choix de langue au lycée pour moi. C'était un lycée un peu petit et ben, le français était la seule option. Et c'est pour ça que j'ai commencé. Mais puis après, j'ai ajouté l'espagnol à l'université parce que j'aimais vraiment beaucoup les langues. Mais le français, ça m'a toujours plu que l'espagnol. J'aime la langue, le son de la langue, etc. Et puis, ben, oui, j'ai étudié le français à l'université quand j'étais à l'université. Et puis maintenant, enfin, j'ai presque terminé ma maîtrise, mon étude de maîtrise. Je suis en deuxième année de maîtrise en français et linguistique appliquée ici à l'université d'Alabama. Et alors j'ai presque terminé, mais je suis venue ici parce que, en fait, après avoir reçu mon diplôme d'université, j'ai travaillé un peu comme instructrice et puis aussi comme traductrice et interprète. Et j'aimais ça aussi, mais je voulais vraiment continuer à exerger et travailler un peu plus avec le français. Et c'est pour ça que je suis revenue à l'atmosphère de l'université. Et bien, bon, j'ai commencé ici à l'université il y a un an. Et voilà. Et est-ce que ça te plaît? L'université ici? Oui. Oui, ça me plaît beaucoup. J'aime bien le programme, j'aime bien la maîtrise. Pas la maîtrise ici, j'ai pris beaucoup de cours intéressants. Il y avait un cours de. Par exemple, mon premier semestre ici, j'avais un cours de la bande dessinée qui était vraiment intéressant. Et c'était bien pour moi parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué vraiment avec la littérature. Alors c'était bon pour moi de commencer comme ça. Et puis il y avait des classes de la théorie de la littérature, ce qui était intéressant, et la poésie, et puis les classes de la linguistique aussi. Alors il y avait plein de cours intéressants, en fait. Et aussi j'avais la chance de travailler, enfin j'ai toujours la chance de travailler comme professeur un peu de français, parce que je suis GTA, je travaille pour l'université, pour le département. Et oui, alors l'année passée, j'aidais avec quelques cours de français, et maintenant j'enseigne un cours de 101 et un cours de 102. Et ça me plaît beaucoup, c'est un peu difficile, mais ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup enfin, jouer le rôle de professeur, j'aime ça beaucoup. Et mes étudiants sont fantastiques et tout ça. Et c'est bien pour moi de pratiquer, enseigner. Moi, je m'appelle Vincent. J'ai commencé à étudier le français ici pendant ma première année. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à étudier le français, mais je sais pourquoi j'ai continué à étudier le français. La communauté ici est très active. Il y a la maison française où j'ai habité pendant du semestre. J'ai habité avec un mec de Tours. Il était mon coloc. Moi, j'ai réussi à connaître une nouvelle culture. Et c'est pour ça que je continue d'étudier le français. Cet été passé, cet été dernier, je m'en suis allé avec le programme d'Alabama en France, où
j'ai étudié le français à Tours pendant 5 semaines et j'ai passé une semaine à Paris. Et pour moi, la facilité de parler dans une autre langue et de s'installer dans une autre culture, c'était passionnant, c'était ravissant, je ne sais pas. Mais j'habitais avec une famille française et je ne sais pas, j'ai bien aimé. Parce que je crois que si on ne parle pas la langue d'un pays où on habite, on ne peut pas s'intégrer dans la culture. Et moi, comme j'ai parlé français, je pouvais s'intégrer. Et moi, je pouvais participer dans toutes les choses que les Français. La nourriture est très bonne. Dans ma famille française, on a mangé du pain et du fromage. J'ai étudié le français en lycée, tout simplement parce que je ne voulais pas étudier l'espagnol, parce que je voulais être différente que tous mes camarades de classe qui étudiaient l'espagnol. Et puis après, je suis venue à l'université d'Alabama pour étudier le français. Et dans ma deuxième année ici, j'ai étudié à l'étranger, à Montpellier, pour un semestre. Et c'était vraiment une très jolie expérience. Comme j'étais, j'ai fait plein d'activités sur le campus, comme le socle français, la table française et la série de films français pour ramener la culture française sur le campus. En effet, c'est au Ferguson Center, qui abrite une célèbre chaîne de café, que les tables de conversation françaises ont lieu chaque lundi et mardi. Eh bien, pour moi, la table française, ça me donne la chance, dans une atmosphère décomplexée, pour pratiquer un peu le français, quoi. Et parler un peu de la journée avec mes amis qui sont là avec mes. S'ajoute à cela une projection de film un mercredi sur deux à Lord Hall. Et quant au club français, il prépare Mardi Gras, mais comme on dit en France... La suite au prochain épisode. C'est ici, au Musée d'Histoire Naturelle, que le département de langue moderne, et plus particulièrement les départements français et allemand, se sont installés afin d'accueillir les enfants dans le cadre du Museum Night. Bonsoir, ce soir c'est Museum Night pour le département. On a deux, c'est allemand là et français là. Et le but du soirée, c'est d'expliquer les traditions de Mardi Gras ou Carnaval aux enfants. Et ils peuvent jouer quelques jeux et ils peuvent gagner des masques ou des colliers comme des prix. La soirée fut un grand succès puisqu'une centaine de colliers et de masques furent remportés. Les plus chanceux sont repartis avec la couronne. Bonjour, aujourd'hui on va faire une tarte aux pommes ou crumble. J'adore les pommes. J'ai appris cette recette en France en fait et c'est très facile à faire. J'ai pris 4 pommes que je suis en train de découper. J'ai placé les pommes dans le plat et maintenant je vais faire le crumble. Pour le crumble, il faut une demi-tasse de beurre, presque une tasse de sucre, de farine et poudre à amande. Voilà. Cette partie est très amusante. Il faut mélanger avec les doigts. Donc maintenant, je dépose le crumble au-dessus des pommes. J'ai
j'ai préchauffé le four à 400 degrés et je mets le crumble dedans pendant 10 à 15 minutes. C'est prêt! Mmh. Pour le crumble.